Bonjour, bonjour, Grégory de Maison Gerbrand. Aujourd'hui, le brief, c'est de rendre ce petit cabinet de toilette qui se trouve dans une chambre plus accueillant, invitant, rassurant, qu'on se dise qu'on puisse effectivement utiliser cette eau, se laver les dents, faire, voilà, ou pour les enfants, une petite toilette rapide avant d'aller à la plage, pourquoi pas. J'ai retiré la porte, c'était la première étape. Pour que vraiment on voit l'espace, on en dispose facilement. Surtout que cette porte était immense et elle bloquait en fait l'accès à la chambre tout simplement. Donc c'était soit les gens rentraient dans la chambre, soit on servait du cabinet de toilette, mais pas les deux en même temps. Dommage. Donc la porte s'en va. Pour éclaircir tout ça et lui donner un petit esprit, j'ai choisi du PVC gris clair. Voilà, ça c'est les outils avec lesquels je vais mesurer, agrafer, découper, etc. Je vais mettre un primaire d'accroche parce que j'ai des surfaces différentes. Ici j'ai du bois, ici j'ai du ciment qui a déjà été soit peint, soit traité. Donc moi je vais recommencer, ça va permettre à la colle PVC de bien adhérer. Voilà. Et puis les agrafes, c'est pour commencer, et puis surtout sur le bois, c'est vachement pratique. J'ai aussi des baguettes pour faire les angles, évidemment, et d'autres pour faire le début. Voilà. Bon, vous allez voir tout ça en time-lapse, et puis je vous retrouve après. Allez, ciao!
que moi j'appelle chambre des enfants. Donc on a fait aussi le plafond. Ça éclaircit vraiment les pièces, il n'y a pas de doute. On a fait un nouveau lustre qui ne pend pas et qui n'est pas un spot. Et on a refait le cabinet de toilette qui est maintenant complété avec ses lumières LED qu'on peut changer grâce à une télécommande. Ça peut aussi faire veilleuse pour les enfants. Voilà la télécommande, il y a une tablette. On a fait nettoyage de l'évier qui est complètement récupéré. Petite tablette comme il y avait, mais cette fois elle est coupée pour prendre toute la place. On a remis voiture 99 qui était un bon détail. On a fait un petit meuble sous vasque avec ses étagères et 2-3 parements de sorte qu'on optimise vraiment cet espace. Voilà, donc évidemment des parois murs PVC hermétiques et qui survivent à l'eau, des petits porte-manteaux, un pour les serviettes, un pour le peignoir ou des plus grandes serviettes ou des vêtements. Et voilà, ça conclut la visite de cette chambre.